Et à tous les partenaires, et c'est dans ce cadre-là aussi qu'on accueille la FEAP aujourd'hui pour cet événement. Qui ont pour objectif de vous faire réfléchir sur les missions qui sont les vôtres, bien sûr dans les institutions, mais au-delà des missions qui sont les vôtres, essayer d'extrapoler et de vous positionner sur, en tant que citoyen. La raison pour laquelle vous êtes ici, c'est de produire des idées, des points de vue, une opinion sur un certain nombre de sujets, tous liés à la thématique de l'avenir du système de santé et de solidarité en France. Structures adhérentes ont été réunies et se sont rencontrées hier à la Maison des Volontaires pour réfléchir à l'avenir du système de santé et de protection sociale, thème ô combien complexe et au cœur des débats actuels. Améliorer la prise en charge des personnes dans les équipements et structures sanitaires et sociales, mission impossible ou pas. Ville et campagne, comment assurer l'accessibilité et l'égalité pour tous en matière de santé et de vie sociale? Le numérique représente-t-il une opportunité ou un handicap supplémentaire pour les personnes prises en charge et le système de soins? Les services civiques et les bénévoles sont-ils une ressource d'avenir ou une simple béquille dans le système social? Comment pensez-vous améliorer la concertation des personnes concernées par la mise en place des politiques publiques? Enfin, comment pensez-vous que le système de soins et de solidarité pourrait permettre de les valoriser et de les rendre acteurs de leur parcours de soins ?